Mangeons. C'est bon le cheval. J'aime bien manger le cheval. Bon. Vous savez qu'en Amérique, on ne mange pas de cheval. Il n'y a pas de viande de cheval. Après, je pense que sûrement. Quoique, non, non, non. J'allais dire dans des grandes villes, genre New York et tout ça, c'est possible, dans des grands restaurants et tout. Mais sinon, ils mangent pas de cheval là-bas. En tout cas, bienvenue à notre nouvel épisode. Donc, si normalement les épisodes sortent au beau moment, on devrait être dimanche. Donc, j'espère vous passer un très bon dimanche. Comme j'ai dit, je vais essayer de faire à chaque fois deux épisodes comme ça. Ah, c'est plus facile. C'est vrai que des fois aussi, j'essaye de jouer. De faire notre. On a un temps de merde, j'entends, on a un temps de merde. J'essaye de. Ouh, poil d'araignée. De faire un épisode en entier, Enfin, le temps que je joue, j'essaye de le faire en un épisode. Des fois, j'essaye de sortir des choses de ma tête. Et les mots ne fonctionnent pas. Allez, toi, tu aides pas. Hein. Toi, tu m'aides vraiment, vraiment pas. On a plus d'eau, c'est ça? Oh, on n'a pas récupéré l'eau, c'est vrai. On n'a pas récupéré l'eau. Donc, la dernière fois, en tout cas, nous avions fait le lac Mystère. Est-ce que... Ouais, on n'a pas la carte. On n'a pas la carte. On a fait le lac. On va retourner vers les rails pour... ça m'embête parce que retourner les rails c'est dans le sens où je veux pas aller parce que j'ai pas envie de retourner au barrage en fait. J'ai envie d'aller vers là pour la cabane. Alors on va voir comment ça se passe. Il est presque midi, bouillie, eau potable, très bien. Très très bien. Et on a récupéré pas mal de vie aussi. Honnêtement on a bien dormi, honnêtement on a très très bien dormi. On a dormi suffisamment, on a des massettes de côté. On est à combien? On est à 20 kg pile, c'est très très bien, c'est très très bas. On a encore 3 litres d'eau sur nous, ce qui est quand même beaucoup. On a plein de massettes. On a des soins, tout ça. Ça, on va pas le poser, ça c'est nos appâts. On a toujours cette nourriture qui est... Comme si, comme ça. Hein. Comme j'ai dit, j'ai pas trop envie de... J'ai pas trop envie de tenter le diable pour le moment, mais bon, on verra. Non, t'es sérieux, il fait soleil, on peut faire du... En fait, non, on a un bon temps. J'entendais du vent, on peut utiliser la loupe. Bon. Ouais, il faudrait aller vers les rails. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On fait les rails. On a pas mal de choses à faire, on a les premiers wagons. Je sais plus si on les avait fait les premiers wagons, je pense pas. Et après, on a plus haut. On peut faire la tour aussi. On n'a qu'à faire deux wagons et la tour. On va faire ça. Par contre, il fait froid. Il fait très froid. Voilà. Enfin, il fait très froid. Moins 17, quoi. Donc, on va en profiter. Fait pas de vent, rien. Donc, on va en profiter pour se balader. Bon, par contre, on risque de tomber sur des loups. Mais on va voir. On va voir. Donc... Ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Faut récupérer du bois aussi. Récupérer du bois. Donc ouais, on peut faire du feu avec avec la loupe. Vu qu'on a fait de l'eau et tout ça, on va pas le faire. On a utilisé déjà tout notre bois. Mais comme j'ai dit à chaque fois. Feu gratuit, hein, feu gratuit avec la loupe. La première à la tour. Il y a deux cadavres. Oh, c'est possible qu'on ait un cadavre de... Non, non, il n'y a rien. C'était sûrement moi qui parlais avec le son des pas dans la neige. J'ai cru que c'était un aboiement en fait. J'ai vraiment cru qu'il y avait eu un aboiement. Oui, il y a peut-être un corps de cerf, une carcasse de cerf. La question c'est est-ce qu'on tente de récupérer la peau ou pas ?
Ah, quoique non, j'ai rien dit. C'est... Quoi qu'il y a deux... Ouais, ouais, si, il y a un cerf. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On récupère la peau ou pas? Ah, peut-être qu'on va pas pouvoir, c'est gelé, non? Ah, on a la scie. Une heure. Ah, on va geler. Ouais. Ouais, on a déjà froid. C'est combien? Moins 17 toujours? Moins 16. On pourrait faire un feu à côté. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on pourrait faire un truc, c'est faire un feu à côté, vu qu'il fait jour, on utilise la loupe. On utilise la loupe pour faire le feu. Par contre, on n'a rien à cuire. Donc ça serait... Oh la vache. Ça serait... Ah bon, bah j'ai rien dit. Notre plan est mort. Ça serait vraiment un feu rien que pour se chauffer. Ah, c'est embêtant ça. Je voulais aller récupérer là-dedans, dans ce truc à la con là. S'il faut, il n'y a rien, mais au moins on serait fixé. Après, j'ai envie de dire... On a déjà eu des jours où il faisait, où on n'avait pas froid. Donc bon, à la limite, si jamais il fait pas froid, ah bah c'est bon, il fait. On n'a plus le soleil, c'est fini. On peut plus faire de feu. Comment on va faire lui? On va essayer de le semer maintenant en rentrant dans le wagon. Plume. Ouh la vache. Normalement il peut pas rentrer. Bon, quand tu veux, tu nous lâches, hein. Non, mais tu peux aller là-bas? Non, 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 pas là-bas, là, pas là, on doit aller... On doit aller de ce côté. Ouais, c'est bon. Oh, la vache. Oh, t'es sérieux? On doit monter... Qu'est-ce qu'on fait? On va à la tour une prochaine fois? Ah mon dieu, c'est lourd. Ce serait un peu dangereux en fait d'y aller maintenant. C'est un peu dangereux. Alors quand les loups... sont apeurées, enfin toutes les bestioles qui, quand elles sont apeurées en fait, elles peuvent grimper les endroits qui sont extrêmement pentus que vous pouvez pas grimper normalement. J'ai envie d'aller visiter là-bas parce que c'est possible qu'on récupère des ressources, mais vu qu'on a le loup, donc du coup là on a potentiellement un loup qui se balade en hauteur, peut-être qu'il va redescendre, peut-être qu'il est pile devant nous. Donc j'avoue que c'est un peu la merde. On a du lapin.
On est bon, hein. On va pas aller de ce côté. On va continuer de ce côté. Je vais essayer de pas trop parler, hein, pour... La merde, ok. Il nous a senti, il nous a senti. On va essayer de récupérer ce lapin aussi, et... Faut qu'on récupère des cailloux, pardon. Et on va rentrer. C'est quoi ce bruit? C'est la pierre qui est retombée? Ouais, c'est la pierre. Mais merde. Ouais, là, on est passé à deux. À deux... À d'odeur. Donc il nous a directement senti, parce qu'il était sur nos pas en fait, avec un. Mais après il nous a directement senti qu'on est passé à deux. Donc c'est dangereux. On va... Il y a un cerf. Il va sûrement l'attaquer. Alors ce qu'on pourrait faire... Putain, on a quoi? On a des cailloux. On a un caillou. On pourrait faire peur au loup. Le loup va aller sur le cerf quand on va rentrer dedans. Je pense qu'on va rentrer dans la maison. On va voir. Peut-être qu'on peut faire peur au loup. Je sais pas comment on pourrait faire peur au loup. On va pouvoir faire peur au loup. Comment on va pouvoir faire peur au loup? Je dirais balancer des cailloux et... J'ai cru avoir récupéré la peau, pas le boyau. Non, c'est pas grave. Attendez, d'abord on va laisser les cadavres. Okay, on va voir ce qui se passe dehors. Et sortir, rentrer, lui faire peur en fait. Oh mon dieu, on a un temps de Silent Hill. Vous savez où vous êtes? Vous êtes dans Silent Hill, yeah! Quoi ce bruit? Ok, c'est le cerf, il est toujours en vie. Le cerf qui sort du brouillard comme ça, c'est plutôt pas mal. Ok, le loup est parti. C'est nos pas. Bon, le loup est complètement parti. Bon, par contre, on a un temps de merde. Je sais pas si ça vaut le coup de... J'ai pas regardé s'il faisait froid. Je sais pas si ça vaut le coup de partir à l'aventure. J'ai quand même envie de partir. Mais bon. En tout cas, ce qui est bien... Honnêtement, on a balancé les pierres super précisément. Je suis assez impressionné par mon talent de balancer des pierres. Ce qui est bien, c'est qu'on a des lapins. On va pouvoir faire nos... on va d'abord faire les peaux, c'est le plus important. On va pouvoir créer nos moufles. Fourrure. Créer nos moufles. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Hop. Ok, ça fait 3, 5. Combien il en faut? C'est 3 et 2, je crois. Ah mon dieu, ce menu. 3, ah non, ça doit être 3 et 3, je pense. 3... 3 et 4! Oh la vache, ok, 3 et 4. D'accord. On verra qui donne le plus de... On va faire ça plus tard. On verra qui donne le plus de... De chaleur.
Quoique, on va sûrement devoir dormir. C'est qui a le boy encore? On va sûrement devoir dormir dans la cabane du trappeur si on va là-bas. Parce que c'est loin et il commence à faire nuit. Donc au moins, les boyaux et les... Et la peau est en train de sécher. Voilà, très bien. Voilà, très très bien. La viande, on la récupérera plus tard. La viande, on la récupérera plus tard, c'est pas grave. Alors maintenant, est-ce que ce serait pas mieux de laisser le lapin à l'extérieur pour pas qu'il pourrisse? Je sais pas. Je sais pas, ça par contre. Oh mon dieu, il fait encore plus de brouillard qu'avant, quoi. On va voir. On va avancer doucement. Parce que aller à la cabane du trappeur, c'est pas très compliqué. Il suffit de suivre, en fait, de longer les bords de certains endroits. Donc, je vais pas me perdre, même dans le brouillard. Mais par contre, on risque d'avoir des surprises avec des loups. Et ça, ça risque d'être un problème. On va voir. On va voir ça. Je voulais bien en fait couper par la forêt. Ah, c'est quoi ça? C'est un caillou ou c'est un cadavre? J'aurais bien voulu couper par la forêt, mais avec ce brouillard, j'ai pas envie de le tenter. Ce serait con de se perdre. Le plus sûr, c'est de rester sur les rails, honnêtement. Je crois que c'est le plus intéressant. Donc on va rester sur les rails. Mais sinon, ouais, ça se passe bien pour le moment. Ça se passe plutôt bien. On s'est content de la survie. On avance assez vite. Là, dans l'optique, qu'est-ce que j'aurais en tête de faire? Oh, on n'a pas froid! Oh... Oh, on n'a pas froid, il y a du brouillard, on peut pas dessiner. Oh, je suis dégoûté. Oh, on pourrait aller récupérer la peau aussi. Mais on a vu qu'il y avait des loups qui traînaient, donc c'est dangereux. Oh mon dieu, t'es sérieux? Bon, on peut en profiter. Je vais essayer de pas trop m'éloigner du chemin pour pas me perdre, mais... Mais c'est vrai que là, il faudra en profiter. Il faudra récupérer tout ce qui est dehors, en fait. Il faudrait même pas passer du temps à l'intérieur, là. Je fais des blancs pour écouter, hein, si jamais il y a des loups et tout ça. C'est jamais... sinon après, voilà, dans l'optique, comme j'ai dit, je pense qu'on va faire cette zone. On va faire plus ou moins ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire récupérer toutes les ressources. Wow, super, merci. Récupérer toutes les ressources. Ok, ça va, y a rien. Et... Et après, c'est aller par là, continuer par là. On peut passer? Non, on est trop gros. On perd du poids. Continuer de ce côté-là, Muskeg Morne. Comme ça que ça se prononce. Ouais. C'est bien par... Oui, c'est par là. Oh, on pourrait y aller maintenant, vu qu'on n'a pas froid. Oh. Putain, ça serait vraiment bien. Non, mais on n'a pas fini cette zone. Ça serait débile, parce que sinon, après... On commencerait à partir un peu partout. Honnêtement, il nous faudrait le sac de couchage aussi. Pour être sûr de pas
trop, de pas être pris au dépourvu. Parce que le temps peut changer d'une minute à l'autre. Donc, faut pas trop tenter le diable non plus. Mais oui, on ira à Muskelmore, on fera un peu la zone. On ira voir la forge. Je pense pas qu'on va rester à la forge. Ça dépend. Honnêtement, ça dépend à la forge, ce qu'on trouvera là-bas. Aussi, je voudrais, vu qu'on est à la scie maintenant, je voudrais aller scier des... scier des trucs en métal. Des trucs en métal pour récupérer des morceaux de métal. À récupérer plus de... Ça fout vraiment les boules. Récupérer plus de métal, récupérer du tissu. Ça sera pour la hachette et la hachette et le couteau. Donc du coup, comme ça, on serait prêt en fait. Ça, c'est bien, ça, de trouver ça. J'entends des corbeaux, mais je les vois pas. Donc ça serait bien. Comme ça, du coup, si jamais on trouve le marteau à la première forge de Muskegmorn, on resterait là-bas pendant un petit moment. Et on crafterait les... ce qui nous manque, les outils. Donc ça serait vraiment, vraiment bien. Ça serait vraiment, vraiment bien. Sinon... Si jamais on trouve pas le marteau... Combien ? Si jamais on trouve pas le marteau... On continue sur la zone d'après, Muskelmorne, et on continue vers la prochaine forge, je dirais. Vers la prochaine forge, ce serait pas mal. Ouh, j'aime pas être comme ça, là. On voit pas trop ce qu'il y a de l'autre côté de la montée. Donc ça peut être vraiment bien de faire ça, je pense. Et je crois que ça serait, honnêtement, parce que là on a fait vraiment les plus gros endroits. Bon, on a encore quelques endroits à fouiller, mais... on va dire que personnellement, j'ai pas trop d'espoir de trouver un marteau ici. Honnêtement, hein. Ça m'étonnerait grandement qu'on en trouve un. Hein. Ça c'est la grotte pour aller à Milton. Ça, c'est vraiment bien qu'il fasse pas froid. Vraiment, vraiment cool. Ah, donc ouais, je pense honnêtement qu'on trouvera pas le marteau ici. Ça sert un peu à rien de s'éterniser ici. À part pour récupérer des lapins. Tiens, en parlant de lapins. Récupérant des lapins pour faire ce qui nous manque. En pleine tête. Ça, c'est jouer à Escape from Tarkov. Ça vous entraîne à bien viser. C'est abusé. Oh mon dieu, quoi les... Ah, oh mon dieu, regardez ça. Les gros headshots qu'on met, quoi. C'est énorme. Oh. Okay. C'est quoi ça là? Non, y'a rien. On était à 80%. On en a combien? On en a coupé combien là? 3, 5. On va voir combien on a perdu de pourcentage pour 5 morceaux de bois. Alors, je veux d'abord rentrer dans la maison et déposer les cadavres, les carcasses.
Ah, comme ça, on n'a pas les loups qui nous sentiront de loin. Et après, on ressort direct. Tac, tac. Ah, et les morceaux de bois aussi. Y a ça aussi à poser. On va le déposer maintenant. Parce qu'on a 6 kilos. Ah, très bien. On est repassé à 20, très bien. 5, comme ça, ça séchera le temps qu'on passe. Combien on a? Je vais juste regarder vite fait. 80%. On n'a pas perdu de pourcentage? On perd pas de pourcentage quand on coupe des bois? C'est bizarre ça, non? Oh! Cool, ça s'est éclairci, très bien. Très très bien. Est-ce qu'il fait froid? Il commence à faire froid, fait chier. Ça, c'est embêtant ça. C'est pas énorme, il doit être un degré à un degré. Parce que je voudrais récupérer cette peau là, la carcasse. C'est un loup ça? Non, c'est un caillou. Récupérer ça. La fourrure, on est obligé d'utiliser la scie. Car la carcasse est gelée. Ok, let's go. Le bouton surannulé si jamais il fait trop froid. Ok, très bien. Ok, très bien. Parce que le temps peut changer d'une minute à l'autre. Hein. Donc, ayez toujours le bouton annulé de près. S'il y a une tempête, parce que ça peut arriver et en intrus vous mourrez quasiment instantanément aussi, si le temps passe trop. Ok, il n'y a rien qui arrive, ça va. On va aller poser ce qu'on a récupéré. Ah, par contre il va faire nuit, on va rien voir dans la maison. Ah, c'est chiant ça. Ah, c'est embêtant. Ah, très embêtant. Allez, monte. Ok, donc là, on a bien, bien avancé. On a récupéré de la viande. Ok, ok. Là, c'est vraiment cool. Là, c'est vraiment bien ce qu'on vient de faire. On a récupéré des boyaux, on a récupéré la peau, la viande. C'est vraiment, vraiment cool. Tac, tac, tac. On est encore à 20 kilos, elle est un peu fatiguée. Mais on a du beau temps, donc on va continuer à se balader. J'ai envie d'aller récupérer le plus de bois possible. De toute façon, le surplus de bois, on va pas le prendre. On va le laisser à la cabane. Ça sera utile pour quand on partira à Milton, on fera un arrêt ici. On dormira, tout ça, etc. Buvera, faire du feu si besoin, et après on partira à Milton. Milton, on pourrait y aller maintenant. Enfin, maintenant. On va dire qu'on pourrait y aller en avant de passer à Morn, là-bas, et tout ça, pour la forge. Mais c'est pas vraiment utile. On va dire. Car il y a beaucoup de loups, et ce serait bien de pouvoir s'en débarrasser, en fait. Honnêtement. Donc je préfère y aller quand on aura les ustensiles pour. Alors attendez, là on va faire un... on va être un peu plus silencieux. Ferme là. Je pense qu'on est bon. Aussi, le fait d'avoir seulement la scie, c'est bien quand les carcasses sont gelées. Attendez, est-ce qu'on voit quelque chose d'intéressant ou pas? Parce que si on va pas descendre, ça sert à rien. Peut-être là-bas.
C'est bien quand les carcasses sont gelées. Mais je voudrais bien avoir le couteau et la hachette. En fait, ça irait plus vite pour certaines choses qu'on doit faire. Faut pas se perdre, hein, faut se rappeler, hein, la cabane elle est de ce côté là. Yeah, 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 ok. Oh, il nous a flairé de loin, lui. Je pense que ça suffira pour notre galopade. Je crois qu'on va rentrer et dormir. Je pense que c'est bon. Le problème, c'est que même quand on se fait poursuivre par un seul loup, bon, c'est pas grave, on garde nos distances et tout ça. Mais le problème, c'est que il y a plein de montées, en fait. De montées et de descentes. Et on voit rien. Donc, c'est un peu embêtant. Et merde, j'ai loupé le bâton. Sprinter jusqu'à la maison. Ce qui est embêtant, ils ont jamais corrigé ça. Enfin, c'est corrigé, je pense que c'est fait exprès, mais... Ils ont toujours gardé cette maison allumée de l'extérieur. Et en fait, à l'intérieur, elle est complètement noire. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a aucune lumière. Ça qui est bizarre à chaque fois. On va fouiller demain. J'ai pas envie de me prendre la tête à fouiller dans le noir. Donc on va fouiller demain, on va regarder... Ah, le lit est là. Par contre... Alors attendez. Fenêtre ici, porte ici. Boyau. Carcasse de lapin. Ok, on a récupéré combien? Deux lapins. On a fait tomber deux lapins avec des pierres. Voilà. Parce qu'elle n'est pas extrêmement, extrêmement, extrêmement fatiguée, donc j'ai envie de continuer ça. Faire attention à toujours changer le... jamais utiliser genre la scie, ça vous fait gagner 20 minutes, c'est rien du tout 20 minutes. Recycler. C'est rien du tout, 20 minutes ça vaut pas le coup. Enfin, pas en intrus en tout cas. À chaque fois déposer directement la peau, puis on va faire le deuxième. Ah, très bien. Ça va nous augmenter aussi notre niveau. Prendre du niveau, c'est bien. Ok, cool. On doit avoir soif un peu. Très très bien. On va faire les boyaux. Hop. Ça va, ça se passe bien. Je suis content. On va pouvoir avancer. Ah oui, c'est parce qu'elle est fatiguée, on gagne du poids, on perd du poids, etc. Honnêtement, ça se passe bien, je suis assez content de la vitesse où on avance. Encore une fois, on ira encore beaucoup plus vite quand on aura les outils pour, mais c'est pas mal. Honnêtement, niveau survie, c'est vraiment pas... J'arrête pas de le répéter, mais j'avoue qu'on a quand même pas mal de chance. Ouais, on va devoir dormir une partie... Vu qu'on a eu un beau temps, on va parier. Je vous parie que on va dormir. Et on va avoir une tempête. On parie. On va avoir une tempête. Faudrait mettre la... Ok, collègue de Carcade Novice 2, très bien. Délai de collecte de viande, moins 10%. C'est très très bien. On va se mettre à copie. Ok, très bien. Alors,
Le problème, c'est que quand on va repartir chez nous... On pourrait faire du feu ici. Je pense qu'on va peut-être faire du feu ici. Parce que si on repart... Enfin, quoique, même ça reviendra au même. Parce qu'on va avoir plusieurs morceaux de viande. Donc même cuit, au bout de 3, on aura une odeur. Peut-être qu'on aura un seul sur 3. Par contre, si on garde la viande crue, on va risque d'avoir 3 sur 3 ou 2 sur 3. Et ça risque d'être un problème. Donc comme j'ai dit, j'ai pas envie de tenter... On va peut-être manger ça, mais j'ai pas envie de tenter ces deux-là, enfin ces trois-là. Donc on va pas le faire. Donc on va manger des massettes. On va manger des massettes. Vous inquiétez pas, le nombre descend, c'est juste parce que je clique vite. Voilà. Ah, très bien. Ouais, non, on avance bien. On avance bien. Voilà, très très bien. Et on dort encore 10 heures. On a même trop mangé de massette. Même trop. C'est pas vraiment perdu, mais... C'est pas vraiment utile de faire ça. Voilà. Récupère le plus de vie possible. Très bien. À presque midi. Donc c'est l'heure de fouiller. Alors, en espérant qu'on trouve des choses intéressantes. En espérant trouver des choses intéressantes. Pas vraiment utile. Un fait tout. Deux fait tout. Deux fait tout, pas mal. Ah, yes, marteau. Très bien. Alors, attendez, des fois on voit des fois il y a des hameçons en fait sur les tables, mais vous les voyez quasiment pas. Oh. Oh, on va devoir faire le coffre. J'aime pas faire les coffres. Eh merde, c'était quoi, 15? Je déteste faire les coffres. On va dire 16. Merde, 16, 50. Ouais, 16,50. Ah, 16,56. J'ai laissé faire 16,56. 16,50. Tout ça pour trouver des dollars, sûrement. Enfin, des dollars canadiens, en plus. Je sais pas combien ça vaut, des dollars canadiens. Je sais vraiment pas combien ça vaut, faudrait que je regarde. C'est toujours intéressant de savoir des choses. Ah, ok, donc on a eu... Bon, on a eu le marteau. Alors, est-ce que ça change un peu... Alors, attendez que je réfléchisse deux secondes. Est-ce que ça change un peu ce qu'on va faire? On pourrait rentrer maintenant, un peu en catastrophe, on va dire. On rentre vite chez nous. On pose les... On est à combien? Attendez. Ah ouais, non, mais on a les boyaux et tout. On sera sur 3 sur 3 en odeur, c'est obligé. Alors, on va voir le temps déjà. Bon, on va un peu boire. On pourrait... Oh, on a déjà le marteau, c'est bien ça. Oh non, t'es sérieux? Encore? Ah, il fait pas froid par contre. Qu'est-ce qu'on fait? On se balade encore? On a encore des pierres? On va voir pour les lapins. Pas d'autres lapins? Bah, je crois que...
Ouais, non, je crois qu'on va rentrer. On va se préparer pour partir pour Muskegmorn. Tout simplement. Je pense. Honnêtement, on pourrait même partir maintenant, enfin, de notre endroit, mais on va pas le faire. Ce qu'on va faire, on va aller... Puisqu'on n'a pas de métal, en fait. C'est le métal qui nous manque. Je crois qu'on va devoir repartir au barrage, ou alors dans les mobilhomes autour du barrage, du moins, pour aller récupérer des morceaux de métal, pour aller les couper. Vous savez quoi? On va partir maintenant, parce qu'il fait pas froid. On va être un peu lourd déjà. Et il fait pas froid, comme ça on perdra, on va pas perdre trop de vie sur le chemin de retour. Parce que j'ai envie de... Si jamais on part de la zone, j'ai envie qu'on soit full vie. Qu'on ait pas de problème de ce côté-là. Donc c'est bien pour éviter de perdre de la vie. Alors attendez, avant qu'on parte, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? On en a un, on en a posé un. Est-ce qu'on prend les deux fétous? Ou alors on les laisse ici? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend les deux fétous ou on les laisse ici? J'ai envie de dire, on en laisse un. J'ai envie de dire, on en laisse un ici. Ça, on garde. J'ai envie de dire, on en laisse un ici. Je sais pas pour quelle raison. On a le livre aussi, on aurait dû déposer le livre. Ça ira 50 en plus pour rien. Ça, on va le boire maintenant. C'est complètement du gâchis ce que je viens de faire. C'est complètement con ce que je viens de faire. Enfin bref. Ok, on va y aller. On va prendre ça. On va prendre les morceaux de bois. Ok, on est à 26, très bien. On va laisser ça de bois. Attendez, par contre j'ai envie de le mettre de, à côté. Oh tiens, on en a beaucoup quand même, la vache. Eh ben. Non, ouais, jeter. On va en laisser 30. Ouais, on est à 28 kilos. Voilà, très bien. Oh! Une note abandonnée? Comme c'est encore un backer. Ok. On y va. On s'en va. J'espère qu'il fera un peu plus... Ce sera un peu plus visible. Ah, maintenant, elle dépose les boyaux en premier au lieu de la viande. C'est ça embêtant, par contre. Enfin bref, on y va. Donc oui, on va faire ça. Du coup, ça change un peu les plans d'avoir le marteau maintenant. Donc ce qu'on va faire, comme j'ai dit... On va pas se suicider. Ce serait une idée un peu conne. Ah oui, il y a ça aussi à prendre, la vache. On est plein, il faut partir. On est à 3 sur 3, il faut qu'on se parte. Il faut qu'on parte loin et vite. Ah, donc oui. Allez, on avance. On avance et on prie pour pas se... On va se faire attraper par un loup, je suis sûr qu'on va se faire attraper par un loup. 3 sur 3, je sors jamais sur 3 sur 3. On va se faire attraper. C'est obligé. On pourra aller fouiller la grotte aussi. Très très mauvais de sortir comme ça. Envie d'être en contrebas.
Sinon... sont les corbeaux. Oh. Je sais pas, je les vois pas. Je les entends, je savais qu'on se rapprochait d'eux, mais je vois pas. Moi qui suis aveugle ou quoi? Ah non, pas grave. Donc oui. On rentre. On rentre. On va devoir poser tout ce qu'on a récupéré. On va devoir cuire la viande qu'on a récupérée. On va devoir aussi retourner au barrage. Aller scier des choses dans les mobilhomes. Pour récupérer du métal. Récupérer plus de tissu si besoin. Je pense pas qu'on en ait besoin parce qu'on en a quand même pas mal de côté. Mais bon, peut-être. J'essaye de couper un peu pour aller directement vers chez nous. Et après, on partira à Morne. On ira donc à la forge. Et on fera couteau et hachette et tout ça. Après, j'avais dit que après cette forge-là, enfin, s'il n'y a rien à cette forge-là, on continuera sur la zone d'après. Je pense qu'on va changer le plan, c'est-à-dire qu'on va d'abord crafter, vu que maintenant on a le marteau, on est sûr de pouvoir crafter. On reviendra sûrement chez nous, ça dépend comment ça se passe. Avec un couteau hachette. Donc on fera des allers-retours, c'est obligé. Pourquoi? Parce que... entre-temps, parce que quand on sera en train de faire nos couteaux hachettes, on va faire les têtes de flèches aussi. Vu qu'on sera là-bas à la forge. Et ce que je veux faire, en fait, c'est revenir sur nos pas. Enfin, revenir chez nous, comme ça on est tranquille, on a tout à côté et on est bien. Pour prendre le temps de faire l'arc, tout simplement. Voilà, l'arc, voire même deux arcs. Et ça va vraiment nous aider. Et après, on repartira pour la prochaine zone. Donc on fera un aller-retour, ce sera un peu obligé. Mais c'est le plus sûr et ça sera... Honnêtement, ce sera le plus fun. Parce que... Enfin, fuir les loups, ça devient un peu un problème. On a eu des belles frayeurs et tout ça, c'est marrant, je suis d'accord, mais... mais à un moment ou à un autre, ça devient chiant. Et ça va devenir un problème. Donc... Donc je préfère avoir l'arc en main. Et puis de toute façon, l'arc il va falloir le crafter un jour ou l'autre. Hein. Donc autant bien se préparer. Mais voilà, bon, on est bon là. On est vraiment bien. On a tout ce qu'il nous faut. On a vraiment tout ce qu'il nous faut. Vraiment content. Vraiment très très content. On est dans des bonnes zones, on a un peu de la chance. On a pas mal de chance, j'avoue. Le marteau, je comptais vraiment pas le trouver là. Je pensais vraiment que la zone elle était finie, quoi. On trouverait. C'est quoi ça? C'est un cerf, oh putain. Ça va. Ça va, s'il y a un cerf là, ça veut dire qu'il n'y a pas de loup. Je pensais vraiment pas le trouver sur cette zone, le marteau, vu qu'on a fait toutes les grosses zones et tout ça.
Donc assez content, assez heureux. Ah, et surtout, ça serait pas mal aussi de partir après avoir crafté les moufles en peau de lapin et le bini là. Ce serait vraiment bien. Parce que c'est des vêtements en fait qui tiennent chaud, quoi. C'est vraiment des vêtements qui tiennent très chaud. Donc ce serait vraiment bien de le faire. Avec une peau de cerf, on peut rien faire, donc ça on s'en fout un peu pour le moment. Voilà. Ça, le bois, faut qu'on le pose aussi. Donc là, on a encore du bouleau vert, donc encore des flèches. Donc on a deux arcs et plein de flèches, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça, on s'en fout un peu. Les lapins, faut qu'on les fasse, les carcasses. Ah oui, non, il reste que quoi? Il reste la viande, je crois. Je crois qu'il reste la viande. Donc les plumes. Ah oui, il nous faut des plumes, c'est vrai, pour faire les flèches. Pour faire les flèches. Faut articuler dans la vie. Ah, on pourra pas faire trop de flèches. On pourra faire plein de fûts de flèches, ce qui est bien. Mais peut-être les flèches, ça sera autre chose. On va déposer le bois en haut. Elle va bientôt faire nuit. Je pense qu'on va... On fait un feu maintenant. On fait un feu pendant la nuit. Parce qu'elle est pas fatiguée, donc autant... Donc voilà, ça... Ça, je sais pas si on le prendra avec nous, le charbon, honnêtement. Est-ce qu'on aura besoin de le prendre avec nous? Je dirais que non. On va pas avoir besoin de prendre le charbon avec nous, parce qu'on va en trouver. Mais c'est pas sûr. Le truc, c'est est-ce qu'on va en trouver assez? C'est toujours la question. Donc, je suis pas sûr de ça. Donc, on va peut-être le prendre avec nous quand on partira. Ça, j'avais dit qu'on le déposait. Ça aussi, on va le déposer. On a très bien. On a toute la viande. Ouais, il faut la cuire. Il faut la faire cuire parce que sinon, on n'arrivera à rien. Ah, très bien. On a ça. Est-ce que dehors, on a quoi dehors? Est-ce qu'on avait déposé des choses? On a ça à 450. On a ça à manger. Et ce qui est bien, c'est que nos réserves de macettes vont être vachement utiles cette fois. Car quand on va partir, du coup on va prendre toutes les macettes avec nous. Comme ça on n'a pas besoin d'aller récupérer de la nourriture. Et en théorie, avec tout ce qu'on a en macettes, on devrait être tranquille. Donc on va essayer de ne pas les manger. On en a mangé quand même quelques-unes. On a mangé quoi, 4. On en a encore 30. Ça fait 56 macettes. Ça va, ça va. On va pas trop avoir de problème. Donc on a plein de morceaux de viande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les morceaux de viande à l'extérieur. On va aller récupérer du bois. Ah oui, on a les lapins à faire aussi. On a aussi les lapins à faire. Ouais. On fera de l'eau aussi. Ouais, on prendra... Attendez, on va aller là-bas. On n'est pas encore allé là-bas. Il doit y avoir des morceaux de bois qui traînent. Enfin, je crois qu'on n'est pas allé de ce côté. Je sais plus. Ouais, on ira avec beaucoup d'eau. Genre 5 litres d'eau. Comme ça, on n'aura pas trop besoin de faire de l'eau pendant qu'on craft. Et avec toutes les macettes. Et en théorie, on récupérera rien sur le chemin. Les macettes sont légers. Donc, ça sera vraiment cool. J'ai même envie d'aller voir pour récupérer plus de macettes. Comme ça, on est vraiment tranquille, quoi. On est large. Oh, il fait chaud. C'est bête parce que... Avec un temps comme ça, quand il fait pas froid, ce que j'aime bien faire, c'est sortir, me balader et tout ça, évidemment. Mais surtout aller dessiner la map. Et ben là, on peut pas vraiment le faire parce que...
C'est un cadavre. Je peux pas vraiment le faire parce que... brouillard. Ah oui, une chose aussi, si vous voulez des plumes, tuer des lapins ou des cerfs, des trucs comme ça, vous laissez les carcasses à l'extérieur. Mais faut pas tout prendre en fait sur la carcasse. Si vous récoltez toutes les choses sur la carcasse, les corbeaux vont pas venir autour et vont pas laisser de plumes. Donc il faut laisser la peau, les boyaux, ou alors les boyaux, ou alors un peu de viande. Là on devrait retourner sur le lac normalement. Donc faites ça et vous devriez avoir les corbeaux qui arrivent et vous récupérez les plumes. On va devoir faire ça. Enfin, on va pas vraiment le provoquer, mais voilà. On va plus ou moins garder ça en tête qu'il nous faut des plumes. Il nous faut beaucoup de plumes. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est retenter l'endroit où je voulais aller en premier. Là, on avait tout pris, il n'y a pas de massacre. L'endroit où je voulais aller, mais on a été bloqué par un loup. Attendez, on est où là? Cadavre-là. On a fouillé ça. Oui. Cadavre là, donc c'est comme par là et à droite. Ah non, 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 ça c'est l'île. Oh putain. Vous voyez que même en connaissant la zone par cœur, hein, le fait que ça soit... On peut monter. Le fait que ça soit... le brouillard total. Hein. Ah, fait chier. Bon, on part. Ah, quoique... J'ai vraiment envie d'aller voir, merde. Putain, c'est toi de la dernière fois? Je pense qu'on est bon. Je crois que je me suis perdu. On a fait ça. Je crois que je me suis perdu. Ah, autour de l'île, il y avait encore des massages, je crois. On aurait pu en récupérer un peu plus. Attendez, non, 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 on est bon. On est bon, je crois. On part à droite. Là, normalement, ça devrait se rétrécir. Oui, non, c'est bon, c'est bon. On est au bon endroit. Ok, on va retenter le coup. On va retenter le coup. On va voir s'il y a un loup ou pas. Sinon, on fait demi-tour, c'est pas grave. De toute façon, on peut bifurquer, aller à droite, à gauche, il fait pas froid, donc on n'est pas pressé par le temps, ça qui est bien. Putain de merde, t'es sérieux? Il est quoi à gauche? Il est là, oh fait chier. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le gruger. C'est vraiment chiant ça. Et sinon on va jamais passer quoi. Il
Est-ce qu'il est en train de faire demi-tour ou il est en train de faire le tour? C'est un peu dangereux de faire ça comme ça. Non, je crois qu'il est juste derrière nous. Ouais. C'est peut-être un peu con ce que je suis en train de faire. Là on a fait le tour pour passer, mais il y a des massettes sur la gauche. Pas oublier, on a des appâts. Faut pas passer par là, parce que c'est la rivière, faut pas prendre la rivière, faut passer sur la gauche. Sur la droite, pardon. J'ai oublié qu'on a des appâts. J'espère qu'il va pas en avoir de ce côté-là. On a encore des massettes sur nous et de l'eau. Ok, c'est là que je voulais aller. Ok, ce qu'on peut faire, vu que maintenant on y est, pourquoi pas aller au... Ah là, normalement on est tranquille. Pourquoi pas aller au barrage maintenant pour aller découper? Il est où? Je vois pas, il est là. Ah putain, c'est une MRE, mais c'était... C'est un papier en fait, de MRE. Ça va. Bon, y a rien de... Y a rien de bien. C'est une... C'est un papier de MRE. Je me suis dit, putain, on a une... Une ration militaire ici. Sur le coup, j'ai pas compris pourquoi ça m'a fait apparaître le banc. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh putain, il est toujours là. C'est... Ouais, il va pas aller loin en fait. Là, on a une carcasse à récupérer. Boum. Ah, ça a marché. Il a pas aimé le coup de la pierre. Ouais, il s'en fout en fait. C'est embêtant ça. Je sais qu'il y a des lapins là-bas. Pas un lapin? Non, c'est un bout de bois. Je sais qu'il y a des lapins. Est-ce qu'il va aller sur les lapins? Ah, c'est embêtant. Qu'est-ce qu'on fait? On va le laisser partir. Un lit de vin. C'est pas énorme, un lit de vin. Mais on a toujours nos massettes. Ah, j'avais dit qu'on voulait pas utiliser nos massettes. Fait chier. Ah, merde. J'avais dit qu'on ne devait pas utiliser les massettes. Mais bon, on est à côté du barrage. On pourrait directement aller au barrage. On a la scie. Le marteau, j'aurais dû le déposer. C'est con ce que j'ai fait. Mais on a la scie. Si c'est un lapin. Non, c'est pas un lapin. Mais t'es sérieux? Comment? Tu nous as ressenti d'aussi loin? Waouh. Alors là, j'étais sûr à 100% qu'il allait pas revenir hein, quand je suis sorti. Ah. Il a attaqué un lapin. Ça va, on est tranquille. On est tranquille. Ouais, ça... Ça, putain, j'ai cru que c'était un élan, ça va, sincère.
Le problème, c'est quand il tue les lapins, il va rien laisser. Je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Ouais, bon, on va devoir taper dans les massettes. Pour passer la nuit. Si on passe la nuit ici, en tout cas. On va voir si on peut pas en récupérer là. Bon, on a qu'à en récupérer maintenant. Je sais plus si on en avait récupéré ici, en fait. Non, on n'a pas... Je crois qu'on s'était fait... voir par un loup et on a dû partir. On avait fait le tour pour récupérer des morceaux de bois. Couper des morceaux de bois. Mais on n'avait pas récupéré les massettes. Donc très bien. Ah ouais, il y en a plein. Vraiment cool. Ouais, vraiment bien. Donc ouais, on a un plan tout fait. Donc on récapitule. Ah, du coup on vient ici, on récupère des morceaux de métal. On récupère des morceaux de métal, on va voir combien de tissus on a, il va falloir faire le tri un peu. Voir combien de tissus on a besoin pour la hachette et le couteau. Alors... En intrus, l'idéal, ça serait de faire deux hachettes, deux couteaux, parce que... Putain, tu viens de... Oh, fais chier, tu viens de ce côté. Deux hachettes, deux couteaux. Il y a encore des massettes. Car du coup... On peut monter là... Non, on va pas pouvoir monter. Car du coup, parce que si vous avez des pierres à aiguiser, ben c'est bien, mais les pierres à aiguiser sont assez... Oh la vache. sont assez rares. On n'a pas là quand même, ça serait le comble. Les pierres aiguisées sont assez rares. Et tu nous cours pas après là quand même. Bon, on rentre, on rentre. Et du coup, si vous cassez le couteau, vous arrivez à 0%, bah vous êtes dans la merde quoi, parce que le truc est complètement cassé en fait. Vous pouvez pas le réparer, rien. Donc je crois que de pierre aiguisée, on en a quoi? Une seule, je crois, au camp. Et c'est tout. Je crois qu'on en a seulement une seule. Donc... on aurait vraiment pas dû prendre le marteau, c'est 2 kilos pour rien. Quoi. Donc voilà, c'est le mieux, ça serait de faire deux couteaux, deux hachettes. Mais je pense qu'on va pas pouvoir. Je pense qu'on va pas pouvoir. J'ai envie de ressortir et... Non, c'est pas grave. 1h45 pour 6. 1h30 pour 4. Ok, on va faire ça. On n'a pas énormément d'eau, putain, c'est chiant. Ça. Impossible sans lumière. Oh, putain. La blague. La blague, j'avais oublié. On peut pas faire. On peut. Les étagères, on peut pas les couper dans le noir. Non. La blague. On peut casser les caisses. On peut casser les caisses. Mais métal, non, on peut pas. Alors attendez, il y a un lit là, on va dormir ici. Ah, oh, je suis dégoûté.
On s'est bien fait avoir. On s'est bien fait avoir. On va faire ça, on va faire ça. On a combien? Un seul, un, deux, trois. Et après, on a encore des barbes de Jupiter, ok. Je pense qu'on va dormir maintenant parce que j'ai peur en fait de manquer d'eau. Si jamais on a besoin d'eau, on prendra ça. Mais j'ai peur qu'on me manque d'eau. On a ça aussi. Je suis en train de réfléchir en fait sur quoi. On va dormir maintenant. On va dormir maintenant. Et je pense que ça va être la fin de notre épisode, parce que ça va faire déjà plus d'une heure. Et je pense que le prochain épisode, donc on va continuer à scier. Je pense qu'on va continuer à scier. Et une fois qu'on aura fini, parce que là on a combien de métal? On a que 6. À la base je crois qu'on a 2 ou 3. On n'a pas vraiment beaucoup. On va être prêt pour partir. On va aussi devoir faire un feu pour qu'on cuise tout ce qu'on a au camp, parce qu'on a beaucoup de choses au camp. On va dormir 9h, c'est parti. Et ouais, on continuera la prochaine fois du coup. Mais ouais, on a très très bien avancé, on a le marteau et tout ça, vraiment 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 cool.